Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le ranking de tous mes achats de l'année 2021. Alors là, les amis, je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo. Il y en a beaucoup trop et je ne sais même pas si je vais arriver à tout classer. Et bref, parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai en fait? Est-ce que je suis maso? Est-ce que je me complique la vie pour rien? Et j'adore ça. Donc, est-ce que vous pensez que je vais relever le défi? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous vous demandez si je vais échouer ou pas, ben, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai déjà mis en ligne une vidéo sur le ranking de toutes les palettes que j'ai pu tester en 2021. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vais vous la mettre dans le petit i, juste là ou là, je ne sais pas. Je commence par le pire produit de l'année 2021. Et je pense que vous vous en doutez, hein, si vous regardez mes vidéos assidûment, ou presque. C'est la CC Water à la Centella de chez Herborian. Ce produit ne m'a pas du tout convaincue. C'est une catastrophe. C'est très nul. C'est rare quand je dis qu'un produit est nul parce que je n'aime pas dire ça. C'est pas que je ne veux pas être honnête avec vous ou avec moi-même, mais je me dis que peut-être que ça ne m'a pas convenu à moi, mais ça convient à d'autres personnes. Ça, c'est... Bah non. Non, sorry, non. Alors, je vous explique. Ça a une texture, effectivement, ultra légère, mais genre, quand je vous dis ultra légère, c'est en dessous de la légèreté. pour moi, ça ne fait rien du tout, ça ne m'apporte aucune couvrance. Même légère, c'est comme si je mettais une crème hydratante en fait. Même pas une crème, un gel hydratant et puis ça s'arrête là. Et en fait, quand ça teinte ma peau, bah, je sors comme Donald Trump, voilà. Donc non, pour moi c'est un no way. Next, on continue avec ces deux fards liquides de chez Lethal Cosmetics. Il s'agit de la teinte Payload et Deadlock. Alors là, vous voyez que cette teinte est multichrome et celle-ci est duochrome en fait, parce que vous voyez que c'est bleu ciel, mais en fait il y a des reflets rosés et tout. Alors pourquoi je n'aime pas ces fards liquides? Parce qu'ils ne sont pas opaques. Quand vous les swatchez, ils sont magnifiques. Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont magnifiques. Mais alors là, sur les yeux, mon Dieu, c'est... Pour moi, c'est un no way. Là, déjà, le deuxième que je vous ai swatché, il est... il ne se swatche pas bien. Vous voyez que c'est pas opaque. Il est opaque, mais en fait, sur les yeux, il ne se travaille pas bien. Et c'est bien dommage. Parce que bah, j'aime bien les teintes et c'est pour ça que je les ai pris, mais non, je ne suis pas convaincue. Ensuite, je vais vous parler du crayon Eyeliner Golden Rose en teinte 411. La teinte, j'adore. Maintenant, je trouve que la texture de ce crayon n'est pas la meilleure. Il n'est pas crémeux, il ne glisse pas bien sur la muqueuse. Donc pour moi, c'est un petit peu... un défaut. Le Sheer Matte Liquid Lipstick de chez ELF que j'ai eu en cadeau en fait quand j'ai commandé sur le site ELF. Et je n'aime pas ce liquid matte. Je ne le trouve pas opaque. Je trouve la texture très transparente. Donc vous voyez, c'est transparent, c'est pas opaque. Et on dirait que vous n'avez rien mis sur les lèvres. Alors si vous aimez ce genre de liquid matte, vous allez l'adorer. Mais moi, autant ne pas mettre de liquid matte quoi. Par contre, j'aime bien l'embout parce que vous voyez, ça épouse bien
les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez très très bien la forme. C'est en forme d'amande. La base Putty Matte de chez ELF. Je vous ai fait tout un crash test de la marque ELF. J'ai testé deux bases, le fond de teint, un concealer. Bref, je vous laisse regarder si vous êtes intéressé. J'ai mis cette base ici dans ce classement, dans cette position, tout simplement parce que je ne la trouve pas si efficace que ça. J'ai d'autres bases qui sont plus performantes. Pourtant, j'ai utilisé plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint et bon, ça se voit que je l'ai pas mal utilisé quand même, hein. Voilà, vous voyez là? Non, c'est pas une base que je vous recommande spécialement. On continue avec Kiko, le blush Tuscan Iris de la gamme Tuscan Sunshine, qui est beaucoup trop clair pour moi. Voilà, il est trop clair pour moi. Il ne se voit presque pas sur ma peau. Là, je vous ai fait un swatch, mais en fait, il ne se voit pas. Donc, bon, ça, c'est plutôt une erreur de ma part. C'est pas à cause de la marque, mais plutôt la mienne. Je vous parle maintenant du Lasting Drama Light Liner de chez Maybelline. J'ai utilisé plusieurs fois, c'est pas mal du tout. Franchement, ça glisse bien sur la muqueuse. Je n'ai pas eu de soucis. Et puis, ça tient bien au cours de la journée aussi. Donc voilà, pour le prix, c'est pas mal du tout. Le Dewy Coconut Setting Mist de chez ELF, qui est une brume fraîcheur de fixation à la noix de coco et longue tenue. J'aime bien l'odeur. Ça sent la noix de coco. Le vaporisateur aussi, parce que ça ne vous fait pas le pchit sur la gueule comme ça d'un coup. Ça ne vous agresse pas. Maintenant, au niveau de la longévité de mon fond de teint et tout, je n'ai pas remarqué une différence. Parlons du highlighter de chez Juvia's Place, qui est The Royalty by Juvia's. C'est un highlighter qui est en poudre libre et je l'ai utilisé en été. Voilà le highlighter, il est juste ici. Franchement, il est pas mal du tout. Il est assez léger sur la peau, il ne se sent pas. Donc j'aime beaucoup, surtout quand je suis bronzée. J'adore le mettre parce que ça fait ressortir le bronzage. On passe à la poudre de finition de la gamme Lost in Amalfi de chez Kiko. Je l'ai pas mal utilisée au cours de cette année. D'ailleurs, j'ai commencé à la creuser un petit peu. Elle est bien, sauf qu'elle a un effet blanchâtre sur la peau. Et moi, j'aime bien quand une poudre ne laisse pas de traces. La poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte médium. C'est une poudre de finition, il n'y a rien d'exceptionnel. Est-ce qu'elle casse trois pattes à un canard? Non, sincèrement, pour le prix, je ne vois pas en quoi elle est excellente, irremplaçable et tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a d'autres poudres qui valent le coup aussi et ça ne la rend pas waouh, like I can't live without it. Nope. Mais alors là, il y a une poudre qui m'a plus convaincue, c'est celle de chez Kiko et c'est une poudre perfectrice de la gamme Mood Boost. Elle est lumineuse et elle a cet effet perfecteur justement et imperceptible. Vraiment, j'ai adoré cette poudre. Donc pour moi, c'est un top. C'est un top. Même quand vous la swatchez, vous sentez la finesse de la poudre. On passe à la base de chez Estée Lauder, The Eliminator Radiant Perfecting Primer Plus Finisher. Donc une base qui illumine le teint et fixe le maquillage. Elle illumine mon teint, elle fixe le maquillage, je ne pense pas. Mais côté illuminateur, je le vois sur ma peau. Et en plus, elle est fraîche. Après, quand elle sèche, elle a cet effet un peu collant.
Donc peut-être que ça permet au maquillage de s'accrocher à votre peau, mais sinon c'est pas une base qui va faire tenir le maquillage plus longtemps. Voilà, je l'ai mis ici et vous voyez que c'est un peu lumineux. Je l'aime bien, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Le duo de chez Jaclyn Hill, c'est le duo blush et bronzer. J'ai la teinte Warm Flush et Golden Goddess. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo dans laquelle j'ai testé ce duo, en fait, je l'aime à 50%. Pourquoi? Parce que quand j'ai testé le blush, j'ai adoré le rendu sur ma peau. Par contre, le bronzer, je le trouve très chaud pour moi. Donc, c'est une question de goût finalement. Mais si vous aimez les blushs, enfin les bronzers chauds, vous allez aimer ce duo. Mais moi, je l'aime à 50%. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve aussi bas dans ce classement. Ensuite, vous allez être un peu choqués. Ou pas du tout. Le Charisma Contour Palette de chez Kaleidos. C'est un trio de poudres en fait. Vous avez le bronzer ici, un bronzer ou plutôt une teinte de contouring au milieu et après une poudre. Je n'aime pas la teinte de contouring. Moi, le contouring ne me va pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve là. Parce que j'aime bien le bronzer, la poudre également, même si elle n'est pas la poudre la plus fine que j'ai pu tester, mais le contouring là, non, il me fait un teint cadavérique que je déteste. Next, la poudre Translucent Setting Powder de chez Jaclyn Hill. J'adore le packaging, c'est assez sobre, c'est en plastique, hein, rien d'exceptionnel. Elle fixe bien mon maquillage toute la journée. Je l'ai emporté avec moi en Tunisie. Je n'ai pas eu de soucis. Donc pour moi, c'est un top. Je vous conseille de prendre un thé ou un truc à manger parce que il y en a encore. Il y en a encore. On n'a pas fini. Le rouge à lèvres Ilamasqua, c'est un rouge à lèvres en fait qui a une texture de laque. En même temps, sheer et. Il tient bien au cours de la journée. Ouais, en fait, c'est écrit brillant à lèvres, mais c'est pas vraiment un brillant à lèvres, genre comme les glosses de chez Sephora ou ceux de chez Fenty, mais plutôt un brillant à lèvres combiné avec la texture d'un rouge à lèvres et ça fait comme une laque assez épaisse sur les lèvres. C'est pas de la longue tenue et c'est pas non plus un rouge à lèvres que vous allez réappliquer une heure après quoi, sauf si vous mangez bien sûr. On continue avec Fenty Beauty avec le rouge à lèvres un peu lumineux comme ça. Voilà, moi j'ai la teinte Glazed. C'est une teinte neutre tout simplement, parfaite pour tous les jours, brillante. Donc vous allez avoir cet effet brillant sur les lèvres très confortable et tout, mais ça descend trop vite quoi. Et en été, j'ai dû le garder dans le frigo parce que ça a commencé à couler. La poudre Hello Glow Setting Powder de chez ELF, c'est une poudre correcte, sincèrement, une poudre correcte. C'est pas waouh, extraordinaire, la poudre du siècle et tout. Elle fixe le teint. Maintenant, concernant le glow, je ne vois pas du tout. Et je l'ai utilisé plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint. Le glow, je ne le vois pas. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette place. Next, le Highlighter Rodeo Drive de chez Ofra, qui est une belle découverte pour moi cette année. Il est lumineux, il a un effet glowy et très comment dire, très subtil sur la peau. Il n'y a pas de paillettes, vraiment, il est extraordinaire. On passe au blush maintenant, Caméléon de chez Ofra. Sincèrement, quand j'ai vu la taille du blush, je me suis dit waouh, c'est un peu petit quand même, c'est petit.
par rapport au highlighter. Mais bon, la qualité est là, il est pigmenté, il se travaille facilement, il s'estompe bien, il ne fait pas de taches. Donc, il n'y a pas de souci. J'aime bien aussi la teinte. Parfait. Le highlighter Jaclyn Hill, maintenant, c'est le Awestruck Mini Highlighter. Et c'est une teinte rosée, très subtile, lumineuse. Il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment sympa. En plus, la texture est très, très fine. Donc, j'aime bien. On passe maintenant à une base que j'ai testée récemment. C'est celle de chez Huda Beauty, la Water Jelly. C'est une base hydratante, elle fait bien son job. J'ai l'impression d'avoir un teint plus frais quand je la mets. Et bah, c'est tout ce que je demande en fait. Je l'ai utilisée pas mal de fois et voilà, je suis plutôt satisfaite de son rendu. On passe au concealer Ultra HD de chez Makeup Forever. C'est un concealer lumineux, assez léger en fait. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Par contre, ben en fait, si vous ne le poudrez pas, ça va pas tenir toute la journée, ça va filer dans les plis et tout. Le concealer de chez Revlon qui s'appelle le Color Stay Full Coverage Concealer. Il a une couvrance correcte, moyenne à forte. Vous pouvez le moduler. Le bronzer Glowish de chez Huda Beauty. Il est léger et un peu trop léger à mon goût parce que je suis obligée de revenir plusieurs fois pour avoir de la pigmentation sur mon visage. Alors que bah, des fois j'ai pas le temps, donc j'ai pas envie de repasser plusieurs fois pour avoir le bronzer qui se voit. Alors là, en fait, c'est par rapport à l'utilisation du highlighter tous les jours. Il s'agit du highlighter Space Age Prophecy de chez Kaleidos Makeup. Franchement, c'est une teinte magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, c'est... comment vous dire, c'est Kaleidoscope, d'accord? Donc vous comprenez, le problème c'est que bah, comme elle est multichrome, quand vous l'utilisez en cours de journée, c'est pas portable tous les jours. La palette de chez Too Faced, c'est Turn Up The Light dans la teinte Medium. On a trois poudres, donc la poudre illuminatrice au milieu, un qui est pailleté et l'autre qui est lumineux sans paillettes. J'aime bien utiliser la poudre, elle ne fait pas cet effet voyant, elle est assez subtile sous mon dessous de l'œil. Je l'ai même utilisée sur tout mon visage. Maintenant, moi j'ai besoin de matiter, donc voilà, des fois quand j'ai envie d'avoir un teint qui tient toute la journée, je ne l'utilise que sous mon contour des yeux, mais sinon les highlighters qui se trouvent ici, je préfère celui qui est sans paillettes. Bon, j'ai pris une petite pause et on continue avec le produit de chez ELF, c'est la base Poreless Putty Primer. C'est une base qui ne coûte pas cher. Maintenant, au niveau de l'efficacité sur mes pores, est-ce qu'elle estompe énormément mes pores? Non, franchement, elle n'est pas aussi efficace que ça. Je préfère celle de chez Urban Decay ou celle de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans un Get Ready With Me. Je l'ai utilisée avec vous et je n'étais pas bluffée par le rendu sur mon visage. Donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. On retrouve plus haut, mais pas plus haut que plusieurs produits qui attendent encore, c'est le highlighter de chez Kiko, le Ray of Love, qui est en ce moment dans mon projet Shop My Stash de la semaine. Il n'a pas de paillettes, il a un effet subtil sur la peau, je ne sais pas si vous voyez la lumière, mais vraiment, il est imperceptible. Voilà, je l'aime bien, je n'ai pas été déçue. Ensuite, la base Beauty Amplifier de chez Sephora, qui est une base unifiante éclat glow. Elle apporte de l'hydratation, elle estompe les pores, elle unifie bien le teint. Donc franchement, si vous n'avez pas d'imperfection, si vous cherchez juste
à avoir un teint réveillé sans pour autant rajouter de la couvrance d'un fond de teint ou d'une bébé crème, je vous conseille d'avoir cette base parce qu'elle est parfaite pour ça. Le Hollywood Flawless Filter, moi je l'utilise après ma base de teint et avant mon fond de teint. Donc c'est pour apporter de la lumière en fait, pour avoir un teint plus réveillé, plus lumineux. Bah, j'aime bien son rendu. On a quand même 30 millilitres, donc c'est presque comme un fond de teint, sauf que c'est pas le produit qui va vous camoufler vos imperfections, qui va vous unifier le teint. Le Camo Concealer 16 Hour de chez ELF, c'est le concealer que j'utilise en ce moment dans le Shop My Stash. Et franchement, j'aime bien son rendu. Il camoufle bien les cernes. Il n'est pas trop épais et il reste intact toute la journée. Donc franchement, pour le prix, il est plutôt pas mal. Je vous le recommande si vous n'avez pas le dessous de l'œil sec ou déshydraté. On continue avec le crayon de chez Marc Jacobs. Il s'agit du Highliner Gel Eye Crayon. C'est un bleu que j'adore. C'est un crayon rétractable qui tient toute la journée. Par contre, il est sec. Comme je vous ai dit avant, je préfère avoir un crayon qui glisse bien sur la muqueuse. Et qui tient aussi. Je vais vous parler maintenant de ces blushs de chez Kiko Milano. Il s'agit de la gamme Mood Boost et ce sont les Radiant Blush dans la teinte 03 Perfect Mauve et la teinte de Coral Sunset. Déjà, ils sont trop trop bons. Donc voici la teinte Corail. Ce sont des blushs ultra lumineux. Donc, si vous mettez ce genre de blush, vous n'avez pas besoin de highlighter. Et voici la deuxième teinte. La première fois, quand je les ai utilisés, je n'étais pas convaincue parce que je les ai utilisés au pinceau et c'était une erreur de ma part puisque c'est une texture qu'il faut appliquer au doigt. Quand vous les touchez, ça se... Vous voyez là? Là, j'ai touché avec mon doigt. Je sais pas comment l'expliquer. C'est crémeux, c'est soyeux. Pff, franchement, j'adore. Donc pour moi, c'est un top. C'est une belle découverte. Et je ne regrette pas puisque j'ai acheté deux blushs cette fois-ci. Le Contour. Tantour. Le Tantour Contour and the Bronzer Cream de chez Huda Beauty en teinte Fair. En fait, je l'ai acheté des mois avant que je le teste. Mais ça fait partie de mes achats 2021. J'adore ce bronzer. Il s'applique bien, il se fond dans la peau, il ne fait pas de taches. Par contre, je dois mettre sur ma main avant d'appliquer sur mon visage pour ne pas avoir justement de taches. De chez Natasha Denona, les Chromium Liquid Eyeshadow dans la teinte Dogbane ou Dogban, je ne sais pas, et la teinte Scarab. Ces deux-là sont une bombe. Les teintes sont juste trop trop belles. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. En fait, vous n'avez qu'à mettre l'un de ces fards, vous sortez, votre maquillage est au top du top et vous n'avez pas besoin de plus quoi. Quand je les applique au pinceau, il faut que je mette trois couches pour avoir de la pigmentation. Mais franchement, entre les Lethal Cosmetics et les Chromium de chez Natasha Denona, pourquoi je choisis les Natasha Denona? Parce que ils sont plus opaques que les Lethal Cosmetics. En plus, celui que je vous ai montré là, le plus foncé de Lethal Cosmetics, il se barre à chaque fois que je rajoute une couche par-dessus. Donc, je n'étais pas vraiment convaincue, j'étais même déçue parce que la teinte était trop trop belle. Le fond de teint de chez ELF, le Flawless Finish Foundation, c'est un fond de teint qui a une couvrance presque totale parce que bah, ça dépend combien de pompes vous mettez. Ce fond de teint a une couvrance presque totale et cet effet mat. On passe à la poudre Puff Puff Pass Set and Bake Powder de chez Kim Chi Chic.
Si vous ne savez pas, Kimchi Chic, c'est une marque que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. J'ai entendu parler de cette marque sur la chaîne de Makeup with Mariella, qui a cette poudre et qui l'adore. Donc, je l'ai testée avec vous en caméra et franchement, je l'aime bien. Elle fixe mon maquillage, elle matifie mon teint. Franchement, c'est une belle découverte. Donc, pour le coup, je vous recommande de tester cette poudre parce qu'elle est pas mal du tout. En parlant de fond de teint, là, je vais vous donner mon avis sur le Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator de chez Urban Decay. C'est un fond de teint slash crème teintée qui va vous apporter de l'éclat. Il a une couvrance moyenne et puis, bon, la tenue, ils disent que c'est jusqu'à 24 heures qui garde son maquillage 24 heures. Dites-moi. Personne quoi, personne. Tenue 24 heures, non, là vous vous touchez un petit peu Urban Decay. Hein, On passe à ces deux rouges à lèvres de chez Kiko Milano. Il s'agit de la teinte 02 dans la gamme Mood Boost et la teinte 04. Ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Franchement, les rouges à lèvres de chez Kiko sont extraordinaires parce qu'ils sont confortables sur les lèvres. Ils sont opaques, tiennent toute la journée, donc la teinte 02 et la teinte 04. On poursuit ce classement avec le Matte Bronzer Mood Boost, encore de chez Kiko. Il est très fin, il est pigmenté, vous avez l'impression qu'il se fond dans la peau. Le Beauty Light Wand Easy Highlighter de chez Hollywood, j'allais dire non, de chez Charlotte Tilbury. Donc cet highlighter, il a un effet lumineux, subtil, mais en même temps intense, qui se fond dans la peau. Et en plus, comme c'est crémeux, il ne fait pas de tâches quoi. Vous n'avez pas cette barre là qui se voit que vous avez mis du highlighter. Cette vidéo va durer 3000 ans. Si vous êtes encore là, merci. Vous n'êtes pas les meilleurs, mais les meilleurs des meilleurs. On continue ce classement avec le Conceal Plus Perfect de chez Milani. C'est un concealer que j'ai testé quand j'étais en Tunisie et je l'ai adoré parce que je pouvais faire mes cernes et mon teint avec. Et franchement, il a un bel effet. Il a une longue tenue. Il peut avoir une couvrance moyenne à forte selon vos goûts. On continue avec le produit de chez Kiko qui est le Lost in Amalfi Baked Blush en teinte First Sunrise. C'est un blush lumineux et qui a un effet réveillé sur la peau. D'ailleurs, vous le voyez juste ici. J'ai utilisé un highlighter avec, mais en fait, si vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de mettre de highlighter. Le bronzer de chez Gucci. Le packaging est magnifique pour moi, ce bleu-là. Mon Dieu, je fonds. C'est une poudre de beauté éclat soleil en teinte 03. Donc, voici la teinte. Franchement, la teinte me paraît foncée en hiver, mais je l'utilise quand même. C'est une poudre bronzante subtile qui se fond dans la peau. Magnifique, mais sincèrement, pour le prix, bah, vous n'avez pas besoin de mettre tout ce prix-là dans une poudre bronzante, quoi. Donc, pour moi, elle est bien maintenant. Voilà, quoi. Il y a d'autres bronzeurs qui sont moins chers et qui ont le même effet. On continue avec les bronzeurs et cette fois-ci, il s'agit de celui de chez Illamasqua, le Color Correcting Bronzer. Donc, vous avez deux parties de bronzer et au milieu, cette teinte bleue qui, pour moi, sert à neutraliser cet effet orangé que pourrait avoir un bronzer. Revenons à Glowish by Huda Beauty. Maintenant, il s'agit du blush en teinte Caring Coral. Voilà comment se présente cette teinte. Le blush est trop rikiki par rapport au bronzer, mais pourquoi il est plus haut dans mon classement que le bronzer? Parce qu'il est plus pigmenté, il se voit plus, donc je n'ai pas besoin de revenir plusieurs fois pour avoir de l'intensité. Ce rouge à lèvres de chez ELF, c'est le
nectar. Et franchement, il est pas mal du tout. Il est crémeux, confortable, opaque. Donc pour le prix, je pense qu'il est imbattable. Maintenant, il s'agit d'un rouge à lèvres raisin crémeux. Donc la tenue n'est pas extraordinaire. Pas plus qu'un rouge à lèvres crémeux de chez Guerlain, par exemple. Packaging pas top, hein, ça fait cheap et tout. Mais disons que rapport qualité-prix, c'est pas mal. Je parlais de ELF et je continue avec cette marque. Cette fois-ci, il s'agit d'un highlighter en gel. Et c'est marrant parce que la texture est assez spéciale. Vous estompez sur la zone que vous voulez mettre en évidence. Par contre, le petit hic, c'est qu'il sèche trop vite. Donc, si vous voulez le mettre, il faut commencer par une zone, ensuite aller vers l'autre pour pouvoir bien travailler la matière et ne pas avoir une tache qui se fige et que vous ne pouvez plus travailler. Revenons à Kiko. Oui. Alors, il nous reste encore un autre produit de chez Kiko, mais on va parler maintenant de cette poudre. Il s'agit de la Dolce Diva Fresh Fill Setting Powder en teinte translucent. C'est une poudre rafraîchissante qui fixe le teint, qui garde le teint mat presque toute la journée. Je vais pas dire longue tenue, mais en fait, c'est assez correct. En fait, c'est comme si vous donnez un coup de fouet à votre peau. Par contre, petit hic, en caméra, ça se voit. Je pense qu'elle a un effet flashback parce que quand j'ai filmé un reel, bah, j'ai eu des taches de poudre alors que je l'ai bien estampée dans la vraie vie. Franchement, j'ai été assez mitigée de ce côté-là, mais elle a un très très bel effet. Les glosses de chez Sephora en collaboration avec Richard, j'ai la teinte qui est pailletée et l'autre qui a cet effet un peu latex et tout. Je les aime tous les deux, ils mettent les lèvres en valeur. Avec ces glosses, j'ai des lèvres plus pulpeuses, plus plumpy. Franchement, leur effet est juste extraordinaire. Parlons de fin de teint justement. J'ai le blush Cheeks Out en teinte rosé latte 10 que j'ai acheté cette année et je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, elle était dans mon projet Partners in Cream. Pour l'hiver, elle est pas mal du tout. Ils tiennent toute la journée ces blush teint. Et moi, je les utilise par-dessus un teint poudré parce qu'ils tiennent mieux. De chez Huda Beauty, on trouve le rouge à lèvres en raisin qui est le Baby Face Cream Lipstick. Donc, ce sont les Cream Bullet Lipstick. La teinte est juste extraordinaire. D'ailleurs, je vais en reprendre d'autres pendant la journée Gold parce que bah, il est confortable. La teinte est magnifique sur les lèvres. C'est presque le nude parfait pour moi. C'est une teinte froide. Donc, ça change un peu des teintes chaudes que je mets habituellement. Dès qu'il y a la journée Gold, je vais acheter d'autres teintes. Ça, c'est sûr. De chez Charlotte Tilbury maintenant, c'est le Airbrush Bronzer. Vous avez pas mal de produits dans ce bronzer. Il a une texture très fine, très subtile. Il se fond dans la peau, il ne fait pas de taches. Il est pigmenté, mais pas trop. Franchement, extra. En revenant à ELF, je pense que c'est mon dernier produit de chez ELF. Oui, c'est le dernier. Il s'agit du Putty Blush. Ce blush-là, pour moi, c'est juste un top de chez top. Et pourquoi il dépasse celui de chez Fenty? Parce qu'il y a le prix qui va avec, les amis. Et pour moi, ça, c'est pas négligeable, quoi. Pour moi, c'est un top du top. Kiko, encore. Je pensais avoir fini avec cette marque, mais non. Il nous reste un autre produit. La palette Mood Boost de visage. Vous avez quatre teintes dedans. Donc ici, on a un bronzer, un blush et deux highlighters. Et c'est une palette que j'adore. Le packaging est costaud quand même. Le bronzer, il est pas mal du tout. Je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Le blush, pareil. Le highlighter, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et il est magnifique. Vous voyez le glow là? Magnifique. Donc, je vous recommande cette palette. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans mon top.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, disons qu'elle se retrouve presque dans mon top 10. Parce que là, c'est à la 11e position. Le 10e produit dans mon top 10, c'est le blush de chez Kiko. Oui, mais cette fois-ci, c'est un blush en crème et c'est le All Over Stick 3 en 1. C'est une teinte marronnée nude. On peut l'utiliser comme rouge à lèvres, comme fard à paupières, comme fard à joues et ça fonctionne très très bien. Sur les joues, c'est parfait, c'est pigmenté, ça se fond dans la peau. J'ai pas eu de soucis et je l'utilise par-dessus un teint poudré. Ça reste intact toute la journée. Pour moi, c'est un top. Et c'est pour ça que j'ai deux teintes. En 9e position, on trouve le concealer de chez Anastasia Beverly Hills qui est sorti cette année. Et il s'agit du Magic Touch Concealer en teinte 10. Je l'ai testé, je l'ai trouvé très très efficace. Je l'aime plus que le Shape Tape. Et pour moi, il est au même niveau que le Born This Way de chez Too Faced. Il est hydratant, couvrant, un peu épais. En parlant de Too Faced, la base Primed and Poreless, Pore Banishing and Blurring Face Primer, c'est une base qui est censée être matifiante et qui donne cet effet smooth sur la peau, qui minimise l'apparence des pores. Et elle fonctionne très très bien. Maintenant, ce que je lui reproche, c'est le fait qu'elle se termine trop vite quoi. Le bronzer de chez NARS, c'est le Sun Kissed Bronzing Cream en teinte Laguna. C'est un bronzer qui se fond dans la peau, qui est très facile à appliquer, même si c'est un bronzer crème. Dans la 6e position, on retrouve le Born This Way Matte 24 heures de chez Too Faced que j'ai testé récemment et je suis satisfaite de ce fond de teint. Cette année, je n'ai pas testé des fonds de teint, il me semble. Il y a uniquement le ELF, mais sinon, c'est le deuxième que je teste et il est juste incroyable. Il est mat, il tient toute la journée, il ne marque pas mes zones de sécheresse. Donc pour moi, c'est un top. Arrivons à mon top 5, les amis. Là, j'ai gardé le meilleur. J'ai gardé le meilleur. On commence par cette palette de chez Hourglass. Il s'agit de la Ambient Lighting Edit Sculpture. C'est une palette que j'ai eue avec 30% de réduction cette année. Il faut que j'arrête de dire cette année parce qu'on est en 2022. Donc, l'année dernière, vous avez des blushs, des bronzers, des poudres illuminatrices. Je trouve les poudres ici très fines, très subtiles. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le seul petit hic, c'est le prix, quoi. Ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça que, est-ce que je vous la recommande spécialement? Oui et non, selon votre budget, bien sûr, ce n'est pas un produit indispensable. La base qui a détrôné celle de chez Too Faced, que ce soit par rapport au prix, à l'effet et tout, et quand il s'agit d'une base lissante, c'est celle que je vous recommande. Pour moi, c'était juste une belle découverte, une belle surprise. En plus, on a 15 ml dedans et elle descend moins vite que celle de chez Too Faced. L'enlumineur de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize, c'est un enlumineur liquide qui a un effet beaucoup lumineux mais très subtil, encore une fois, qui n'est pas pailleté et il donne bonne mine à la peau et donc c'est pour ça que je le mets dans mon top 3. Deuxième produit, est-ce que vous avez une idée? je vous laisse taper, je vous laisse taper si vous voulez deviner. C'est bon, vous avez fini? C'est la Brightening CC Palette dans la teinte Beach Bomb. Elles sont la rose mais genre à plein nez, c'est un peu envahissant. Je ne suis pas très très emballée par l'odeur. Par contre, la texture de ces poudres, voilà quoi, voilà. On a deux blushs, un qui est hyper rosé, boum, qui envoie du lourd, et l'autre un peu plus classique, on va dire, le bronzer et la poudre illuminatrice. Les poudres sont fines, sont subtiles,
s'estompe facilement. Le winner de ce classement, c'est un produit que j'ai vu pas mal de fois sur YouTube. Tout le monde en parlait à un moment donné, surtout les personnes qui ont une peau grasse ou mixte. Et je vous présente la poudre Primed and Poreless de chez Too Faced. C'est une poudre compacte. On a une petite houppette en forme de cœur. C'est mignon. Hein? Soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas. Mais bon, moi je l'ai utilisé, je l'ai trouvé efficace, surtout au niveau de mon contour des yeux, parce que en fait, ça a la forme de cœur. Et donc, je peux entrer jusqu'au creux de mes cernes. Elle minimise l'apparence des pores. Elle smooth, vraiment, elle smooth, elle lisse le teint, mais un truc de malade. Elle garde mon teint mat toute la journée. Quand je vois mon teint avec cette poudre, je dis waouh quoi, on dirait une poupée russe. Il faut l'applaudir. Bah, je pense que j'ai fini, enfin. Ça m'a pris du temps, je parle pendant 1h30, vous imaginez vous? Bah, en tout cas, moi je suis très contente parce que je suis arrivée au bout de cette vidéo. Donc j'espère que ce classement vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I made room for you.